lâcher les morts. Nous avons ce que nous étions venus chercher. Je... Tout se passera bien. Je suis obligé d'avancer par là, je peux pas explorer. Parce que si je me trompe pas, l'arène qu'on vient de faire... Et me voilà traînant une innocente et me dirigeant vers la destruction d'Asgard. Mais est-ce qu'on a d'autres choix ? Il y a toujours le choix. Je ne vous mènerai pas à la guerre. Je m'y refuse. Je ne suis plus ce dieu. Je ne veux pas me battre. Mais avec vous, on ne peut y échapper. Vous semez les morts par centaines. Ouais, je disais, on avait battu le chef des elfes noirs dans le 1. Et là, on vient de battre le... ce qui semble être le chef des elfes blancs. On a tout niqué. Voilà. Sympa. Petite éradication, là, des elfes. Votre voix n'est que peine et souffrance. Oula. Non ! Atreus ! Râle ! Et là, il va nous faire un longue vie au roi, Tyr, tu vas voir. Il va nous faire un longue vie au roi. Non ? Bon. Bon. Bon, je me méfie toujours de toi. Hein. Je me méfie toujours de toi. Pareil. Oula. Il est pas content, hein. Tu es blessé. Non, père. J'aime bien comment il le regarde. On a... C'était bien fait, là, l'expression de Kratos. En mode, t'as pas un truc à lui dire ? Hé ! Tyr ! Merci. Ouais. Elle était bien faite, l'expression de Kratos. Désolé pour tout à l'heure. Je... Non. C'est moi qui suis désolé. Je n'aurais pas dû venir. Il faut avancer. Il tire une de ses gueules. Technique. Tire au flanc. Ah, je sais pas pourquoi, je le sens pas. Peut-être que je me gourre. On dirait Pilo dans Among Us, en fait. Un imposteur facile à voir, quoi. Petite balle perdue, là. Comme on aime. Ah, petite balle perdue pour les potes. Écoute, j'essaie simplement de faire ce qu'il faut. Et d'après la prophétie... Je ne parle plus de prophétie. Pourquoi la musique a changé, là, monsieur l'arbitre ? Tu ne donneras pas ce que tu veux. C'était quoi cette musique là qui est partie en couille d'un coup là? Incroyable. Assez. Nous discuterons de la suite quand nous sommes hors de danger. Et venez. Eh, au lieu de prendre des cailloux dans ce coffre, on vole leurs armes là et on les revend. En vrai. Ça vous dit pas? Non? On peut pas? Ok, c'est pas grave. Bon. Bug de son, je pensais aussi. Bon, ça m'a fait plaisir de voir les elfes. J'espérais bien les revoir. Père. Y a pas de son. Un assaut. Ah, ça me détruit. Heureux hasard. C'est des elfes. On peut pas nous laisser tranquilles. Vraiment que j'installe ce patch, hein. Sachez, Bolidana! C'est moi ou en mode difficile, le mode rage dure beaucoup moins longtemps, la rage spartiate. J'ai l'impression. Grosse ambiance, ouais. Oh, le bordel! Oh, shit!
Les mecs à droite qui m'attendent. Ils attendent que leur pote il meure. Regarde, regarde. Ça va? Je me demande si je veux les battre ou si je peux juste rush. Attends, y'a de la vie là. Mais y'a de la vie, frère! Mais. Okay, lui. On a tout cassé, moi. Oh, oh ça c'était stylé! Impressionnant! Ah, ça c'était stylé comme finish. Ça, c'était fort sympathique. Allez, allez. La petite galipette, là. Oh, putain. Ouh là 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 là, mais la parade, mon gars. Merde. Oh merde. Je ne vois rien. Il y a de la vie là, je le sais. Je ne vois rien, monsieur l'arbitre. Adieu. Il est passé où, tir? Monsieur tir, où êtes-vous? Vous vous êtes tiré? Ah, je suis trop drôle, moi, putain. Ah, vraiment, le youtubeur le plus drôle de tous les temps, quoi, putain. On s'abuse trop avec moi. Ah, il y a une ambiance sur ce stream, quoi, putain, c'est... Waouh. J'aimerais trop me se battre moi-même, c'est ouf. Putain, on rigole trop ici. On dague, ouf. Trop des barres. Sacré bordel hein. Ah j'ai eu pas mal. Oh. Alors là ça va chier. Alors là t'aurais jamais dû faire ça. Mouda 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 mouda. Bonjour. Moi je devrais focus le même hein, je pense. Backstab. Je connais les bails. Ouais, non, mais attends, je m'occupe de lui. Voilà, déjà, hop. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah, mais lui, il a beaucoup de vie là. Faut vraiment maîtriser les parades. Hein. Faut vraiment bien les maîtriser. C'était un peu tiré par les cheveux ta blague. Je l'ai. Je valide. On aura vraiment niqué la gueule des elfes quoi. Ah sérieux ce bug de son. Continuez à avancer. Cool.
Arrête d'esquiver, c'est pas du jeu. T'esquives. Lui, il a plus de vie, lui. Et je vais dedans. Oh, j'ai eu chaud. Hein. Faut que je me casse. Merde. Il me regarde un peu trop, là, ses potes, là. Oh merde! Il est parti où? Il est derrière? Qu'est-ce que tu fais? Ah mais ton invoque! Oh la connasse! Ah mais ton invoque! T'es un Osamodas en fait! Elle appelle des renforts hein! Coquine! Mode difficile, full vie, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Affiné les 3 crash à 100%, affiné Dark Souls 2, sans invoque, abattu Malenia full force, affiné Dora, Dora 1, Dora 2, je vois pas ce qu'il vous faut de plus. Breath of the Wild en mode expert, plus rien à prouver. Non mais je suis son lourde. Ouais, le bug du son, il casse-couille. Apparemment, il y a un patch pour le régler. À présent. Ah, il manque le jeu Hell's Kitchen sur Wii, effectivement. Ce jeu existe. Oh putain. Ça sera en live, ça. Bon, ça va, on s'est pas trop mal démerdé, on est mort une fois. Bon, il y a eu la pierre de résurrection, certes, mais... Pourquoi est-ce qu'il va nous trahir, Tyr? Tyrouné. Même ce que celle-ci a légué aux terres brûlées. Je n'ai vu cela que trop souvent. Ça a ouvert un nouveau passage. Inutile de se presser. Nous devrions explorer ce désert. Ok, donc là on va pouvoir voir un autre pan de la zone. Bah écoutez, autant explorer hein. Let's go, hein. On n'est pas là pour rush. Écoute, je sais qu'on ne peut pas se fier à toi. Nous ne devons pas ignorer ce qu'on a vu pour autant. Nous ne l'ignorons pas. Nous en parlerons lorsque nous serons chez nous. Pour l'instant, j'aimerais chercher cet animal blessé que tu as entendu. Tu... Vraiment? Oui. Bien. Bon, d'accord. Très bien. Oui, je te suis. Ouais, moi ça m'intrigue aussi, cette histoire d'animal blessé. Il va te tirer dans le dos. Voilà, bidon, mais vous surpassez ce soir, c'est ouf. On devrait pouvoir toujours aussi à chier. Brûler, là-haut, à condition de pouvoir... Je me souviens de ces choses. C'est un territoire des elfes noirs. Oui, ça me disait un truc, effectivement. Quoi? Qu'est-ce qu'on a fait là? Ah, on a ouvert un autre truc. Couteau de cuisine. Couteau de salle à manger. C'est un sacré couteau qu'il a quand même, Kratos. Oh, je t'ai vu, toi. Je t'ai vu, Salamèche. Eh, vous avez vu, d'ailleurs, incroyable. Sacha qui gagne enfin un grand tournoi. Il devient enfin le maître Pokémon. Bon, il avait déjà gagné des trucs. Hein. Je crois qu'il avait gagné l'archipel orange. Mais bon, voilà, l'archipel orange, c'est l'équipe B, quoi. C'est fou. Après, les gens ne parlent pas assez de la fameuse scène où Pikachu, il est évanoui. Et qu'est-ce qu'il voit quand il est évanoui, Pikachu, avant de gagner? La team originale. Roux Carnage, Papillusion, Dracaufeu, Bulle Bizarre et Carapuce. Ça m'a ému, ça m'a ému. Roux Carnage, c'était mon préféré, on l'a plus revu et là, il était là. C'était incroyable. Ça m'émeut. Ça m'émeut, ça m'émeut. Bon, du coup, il y a moyen de te casser la gueule ou tu as décidé de casser les couilles comme ça? Ouais, tu as décidé de casser les couilles.
C'est une vraie partie de plaisir, dis donc. C'est un vrai kiff, ça, dis donc, là. Les corbeaux d'Odin, j'adore. Hein. Au secours! Oh non, mais là, je le touchais, là. C'est de ma gueule, là. Oh! Ça l'a rasé, j'ai vu les petites étincelles. Il est là. Non, mais nique ta race, au bout d'un moment... Ton fils a un arc, je m'en bats les couilles. C'est moi qui le ferai, pas lui. Ce vieux chevelu de merde. Enfin voilà, du coup, dernier épisode, enfin dernier épisode de Pokémon, non, mais du coup, l'épisode où Sacha devient enfin un maître Pokémon, ça m'a ému. Ça m'a ému de ouf. Merci Faina pour ton Prime. Et free skill pour le prime, merci à toi. Vous voyez, pas besoin des archers chevelus. Un guerrier chauve suffit. Soyez patient un petit peu. Bonsoir Savon, à part les corbeaux qui font grincer des dents, tu kiffes? Tu arrives au bon moment, Zano. Ouais, j'aime bien. Comme je disais tout à l'heure, j'ai un ou deux trucs à reprocher au jeu, mais globalement, j'aime beaucoup. Mais clairement, pour le moment, le GOTY, ça reste Elden Ring, quoi. Comme je disais, d'un côté, on a un jeu qui réinvente sa série. Et de l'autre, un très bon jeu, mais qui se repose un peu trop sur ses acquis. Donc, je suis pas déçu parce que je m'y attendais, mais du coup, niveau GOTY, bah, ça sera Elden Ring, quoi. Pour le moment, pour moi, ouais. Après Peppa Pig, évidemment. Après Peppa Pig Switch. J'ai appuyé sur triangle, qu'est-ce qui se passe? Tu me parles? Parle-moi, Sindri. Je dois aller chercher de l'eau. Alors, j'ai appuyé sur triangle. Hein. Je sais pas si ça bug ou autre. Ouh, ça m'a l'air d'être un sacré bug. J'ai appuyé sur triangle. Ça devait lancer un dialogue qui ne s'est pas lancé. Et du coup, je suis bloqué. Oh putain, ça sent le bug. Aïe, aïe, aïe. Ça sent le gros bug. Alors, je vais pas sauvegarder sur ma dernière sauvegarde. Je vais faire nouvelle donnée. Reprendre au dernier point de contrôle. Mais là, j'ai appuyé sur triangle et le dialogue ne s'est pas lancé. Ok, on revient là, c'est pas trop grave. Ça arrive qu'à moi. Ça n'arrive qu'à moi, ce genre de conneries. C'est à cause de ça que dans les commentaires, j'ai toujours Jean-Didier 10 de cuit qui me dit « Non, tu dis des conneries, moi j'ai pas eu de bug. Donc si j'ai pas eu de bug, ça veut dire que tout le monde n'a pas eu de bug. Voilà, tu dis de la merde, y'a pas de bug. » Ah, Dieu merci, on n'a pas à refaire le corbeau. Tu vas refaire le corbeau. Fort heureusement, non. Attention, j'appuie sur triangle. Est-ce que ma PlayStation va exploser? Atreus a entendu des cris de douleur dans le désert. Au cœur d'une tempête pareille? Impressionnant. Tu connais bien Alfheim, pas vrai? Tu n'as pas une idée de ce que ça pourrait être? Désolé, mais non. Les elfes et moi... Eh bien, disons que tout se passe mieux lorsqu'on ne se croise pas. La substance elfique est... trop gluante à mon goût. Bonne chance dans vos recherches. Il y a une différence entre revenir au dernier point de contrôle et charger. Oui, oui, c'est bien pour ça que j'ai choisi le dernier point de contrôle. Et je préférais sauvegarder au cas où. Merci. On ne sait jamais. On ne sait jamais. D'ailleurs, je vais re-sauvegarder par-dessus. On est à 10 heures de jeu bientôt. On avance tranquillou, hein. On n'est pas là pour le rush. A besoin de quoi? Ah, j'ai une flamme de glace, nice. La hache est de plus en plus puissante. Elle était déjà dans le 1, mais bon. Bande de bolos. Que puis-je faire pour toi?
Étrange les bugs que t'as, je les ai jamais vus ailleurs, tu vois la poisse. Ah mais totalement. C'est ce genre de conneries. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle le fameux Boudrive Shiny de Pokémon Arceus. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah. Ok. Que sont ces animaux? Des gulons, originaires de Vanaheim. Je ne saurais pas te dire ce qu'ils font ici. Ouais, puis y a pas de son sur le traîneau là. Waouh, faut vraiment. Je suis le seul à avoir des bugs de son comme ça. Faut vraiment que je télécharge ce patch. Hein. Merci pour ta réponse, Kratos. Ah, cool, un petit Uber. Ouais. Quelqu'un les a entraînés à tirer un traîneau. Ça nous sera utile. Des gulons apprivoisés. Voilà. C'est légèrement elle pour trottiner et elle pour courir. Enfin, totalement elle pour courir. On peut reculer ou pas? Bah non. Oula, oula. Je suis pas habitué à la maniabilité. Faut que je pète les tonneaux. A mon avis, dans les barils, il y a un truc. Hein. Par contre, c'est compliqué à digérer pour diriger. Tant que je m'habitue. Bon, par contre, ouais. Ouais, je préférais mes loups, quoi. Pas le meilleur des designs, quoi. Oh, je suis jamais content, je suis jamais content. Ah, le son s'est barré, il est parti en vacances. Dans quelle direction se trouve ton animal blessé? À moins que nous ne soyons ici pour profiter du beau temps. Terre brûlée. Je n'entends rien du tout. Commençons par trouver une grotte pour prendre nos repères. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce qu'on a droit à la map? Même si c'est la brume. On a droit à la map. Non découvert, ajouté à la boussole. Vas-y, let's go. C'est quoi du coup, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah d'accord, tu te fous de ma gueule là? Très utile. Je ne peux pas y aller. Voilà, je ne peux pas y aller. Je s'appelle Grotte. Je s'appelle Grotte. Bon, il faut trouver la grotte, je suppose, avant de faire quoi que ce soit. Allez, dépêche-toi, je te jure, dépêche-toi, parce que sinon... Tu vas t'en prendre une, hein. Et une baffe du dieu de la guerre, je peux te dire. Tu vas partir jusqu'au Québec. Tu vas t'envoler. Avec tout ce sable, on ne pourra pas passer par cette porte en pleine tempête. Ok, faut attendre que la tempête passe. Chapeau l'artiste. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, il faut le casser, incroyable. Oli Atreus. Ça m'a tué quand il a fait ça, Kratos. Il s'est fait daronner d'Atreus. Ah, un corbeau, attention, celui-là il bouge pas. Oh, attention. Notre corbeau rejoint l'arbre des morts. Peut-être devrions-nous nous y rendre. Ok, 12 corbeaux tués normalement pour avoir le deuxième coffre. C'est cool. Maintenez L1 ou rond pour vous arrêter. Bon. Ah, d'ailleurs, j'avais vu que pour se retourner, c'est ça. Tu restes appuyé sur L1 et t'appuies sur la croix directionnelle du bas. Bon, je pense que ça, par contre, je le modifierai, ça. Pas la meilleure des touches, je trouve. Bonjour, comment vas-tu? Oh, niveau. Ah ouais, t'es niveau 3, ah ouais. Oh là 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 là, la niveau 3, le bonhomme, incroyable! Tu vois rien. Je peux prendre ça? Merde. Celui-là, il va poser souci, lui.
Il est niveau 3 le bonhomme hein. Mais bah du coup j'ai gâché mon... ma super attaque. Mais voilà, enfin on le touche. Non mais oh là là, ouh putain tu vas me casser les couilles toi. Oh là 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 là. Ouais, allez, Uta. Frère, tu peux arrêter de bouger? Ok, j'ai raté. Bien joué, Atreus. C'est bon, on peut le toucher un peu. Nice. Ah, enfin le coup. Voilà. Ah mais c'est bien la peine d'esquiver. Tiens, je vois qu'il y a un bloc là, je vais essayer de le choper. Là t'as mérité là. Là t'as mérité ta part. Un corps. Ah celui-là il était chaud hein. Regarde. Bon, c'était juste pour des objets, très bien. On n'a rien d'autre. Il y a un coffre. Oh non, attendez, hé. On va aller trop vite là. Qu'est-ce que c'est? Un schéma pour une poignée d'épée. Nous devrions le montrer à l'un des nains. Ils sauront quoi en faire. Ok, je retiens. Le montrer à Sindri, je retiens. Merci beaucoup. Gantelet radieux. Ah bah, il est mieux en tout point. Une esquive in extremis active glissement de royaume, ralentissant les ennemis alentours temporairement. Ouais bah... Ok. Moi je prends. Y'a que Atreus qui le touche. Ouais mais il triche aussi, lui. Il utilise un arc et tout, tu vois. Puis n'oubliez pas que lui, Atreus, il joue en câblé hein. Ethernet, tout ça, moi je suis en wifi hein. Forcément. C'est un peu plus dur pour moi. Je suis pas sûr qu'on puisse avoir une épée comme arme, c'était un pommeau. Je crois que l'animal est dedans. Quelle que soit cette créature, elle provoque de sacrés bourrasques. Comment peut-on l'atteindre? Le désert regorge de grottes et de tunnels. Trouvons-en un et voyons où il mène. Allons dans la tête du tigre, rejoindre Aladdin. Ah, ok. Je rêve ou j'entends encore un putain de corbeau à la con? Non, j'ai rêvé, je pense. Attendez, parce que le micro déconne un petit peu, là. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi tu descends comme ça, mon ami? Ah si, j'entends un corbeau, hein. Est-ce qu'il est, ce con? Qu'est-ce que ça? Très bien, bois de pierre. Alors, j'entends un corbac. J'entends. Est-ce qu'il est le petit corbac? Ah, le petit corbac. Nouvelle hôte pour l'arbre de Niflheim. Carte au trésor terminée. D'accord, si tu veux. C'était totalement prévu. It's a trap! Mouda. Oh.
Merde. Prends la vie. Bien joué, frère. Compliqué, hein. On était à deux doigts de crever. What? J'ai pas compris ce qui m'a tué là. Oh, ils esquivent 36 000 trucs aussi là. Mais ils sont, il y en a partout. Dommage. Salut Malo. Ah, le mode défi pas facile hein. Première mort. C'est beau. Il y aura le no backseat des partenaires dans le prochain patch. Y'a qu'à espérer. On en doute fortement, mais y'a qu'à espérer. On reprend où du coup? Ici? Oh ça va, ils sont gentils. Je vais garder ma rage partiate pour plus tôt. Enfin plus tard dans le fight. Je vais la garder hein. Moi je serai en galère. Ah là j'ai fait l'esquive qui a ralenti le temps, ok. Bon là c'est le bordel. On va régénérer un peu de vie. Ok, ça, ça nous fera du bien. C'est un vrai bordel, hein, les petites créatures comme ça, là. Ça y va niveau paradin. Eh ben dis donc, ça c'est un long combat. Waouh. Et au moment où je gagne le fight, je vois pas si Fortiche ou Seven. Pire timing. Tu feras mieux la prochaine fois mon ref. Une mine! Ouais, dur ce fight là. Hein. En fait, il était pas dur, mais il y avait beaucoup de mobs. Et quand bien même, c'est des mobs que t'as déjà croisés. S'ils sont 36 000, ça fait mal au cul. Surtout dans ce mode. Bon, après, clairement, c'est cool. Le mode défi, je pense qu'effectivement. Comme disait quelqu'un tout à l'heure, c'est un très bon compromis entre le mode normal et le mode God of War. Le mode normal qui est un peu simple à mon goût. Et God of War qui a l'air hardcore du cul, si je puis dire. On me pardonnerait l'expression. Sacrée collection de poèmes, mon frère. Pourquoi es-tu surpris? Mon peuple est réputé pour sa culture. Je ne suis pas surpris. Je me réjouis. Un truc de ouf.
Ouais, mais du coup, c'est le même truc qu'on a, mais en brassard, quoi. Est-ce qu'on a des bonus quand on équipe toute la panoplie à la Dofus? Genre, si tu as toute la panoplie bouffe-tout, tu gagnes un PA. Augmente les soins des pierres de guérison, de la rage et de l'équipement. Ça, tu vois, ça m'a l'air ultra, ultra fort. Je vais garder ça. Il en faut plus pour vous battre, votre Altesse. Faut dire ça à Kratos, j'y suis pour rien. Tu peux nous spoil une blague que tu mettrais dans ton prochain tech? Parce que je suis dessus en ce moment, alors j'y réfléchis. Je vais juste dire un mot, je vais dire, enfin un nom. Je vais dire Giscard d'Estaing. Au revoir. Je n'en dirai pas plus. Petit test en carton là sur un jeu politique. Nice. Ah, on a plus rien à faire ici, c'est de la merde. Bon. Le donjon bouffe tout à jamais dans nos cœurs. Oh oui. Le donjon bouffe tout. Le donjon blop. Qu'on faisait en série pour monter de level. Comme des vieilles mules toutes merdiques. Bon bah c'était tout ça pour ça, très bien. Parce qu'en fait j'aimerais bien explorer le désert au moment où la tempête s'arrêtera. Kratos a ouvert un coffre normalement sans l'éclater. Ouais, quand les coffres sont trop gros et trop durs, bah... il peut pas utiliser son poing. Prends pas de risque quand même. Il est fort mais bon, pas inconscient. Bon, where is the grotte? Where is the cavern? Ça y est, Seven devient un youtubeur engagé. Ça ne rigole plus. Moi, ma seule religion, moi, enfin mes seules religions, c'est Zelda, Dragon Ball et Metroid. Et les milkshakes vanille. Et Peppa Pig, effectivement, vous faites bien de me le rappeler. Si ça continue, on va vraiment le faire en live, cette merde. Hein. Là, en ce moment, on a beaucoup de jeux à faire, mais... Putain, ça faudrait que je dépense 40 balles pour cette merde pour en faire un live. Ce qu'on nous fait pas faire, quand même, hein, c'est moi qui vous le dis. Ce qu'on nous fait pas faire, putain. Peppa Pig. Je vous jure, demain, ils vont dévoiler les nominés aux Game Awards. Si dans une catégorie, il y a Peppa Pig, je ne réfléchis pas. Je vote instant Peppa Pig. Ça fait forceur, je m'en bats les couilles. C'est Peppa Pig. Est-ce que c'est demain qu'ils dévoilent les nominés aux Game Awards? De la merde. Avec les flèches, ça passe. Ah non, c'est forcément, pardon. Ah, puis y en a un là aussi. Oh là là, ce bordel. Ah. Ah. Pour l'instant, ça c'est verrouillé. Donc ça sous-entend qu'il faudra peut-être un autre objet, revenir ici plus tard, je sais pas. Sûrement. À moins qu'il faille tuer les trois cocons pour ouvrir justement ce truc. Mais alors comment buter les trois cocons? Parce que là j'ai pas le meilleur des angles en fait, hein, clairement. Ah, mais la hache, quand elle revient, ça compte. Dommage. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, Jackson. Ouais, à mon avis, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Attends, Peppa Pig est dans le Game Pass. Ok. Bon à savoir.
re-yaya le yo-yo. Le Game Pass a quand même de la chance hein, d'avoir Peppa Pig. Putain. Ça, c'est un honneur de ouf. Hein. Alors, comment je fais pour monter là? Je peux pas grimper. Je vais faire le tour. C'est quand même un sacré bordel. Ah bah non, là aussi il faut venir quand la tempête se sera arrêtée. Bon, j'avoue que j'ai du mal à trouver la petite grotte. C'est quand même pas là-bas le lieu non découvert là. C'est quand même pas la grotte. Ce serait con. Ah, il t'indique peut-être l'endroit où vers où il y a la grotte. Je vais retourner là-bas. De toute façon, au pire, on se barrera par la suite de l'aventure. Je chercherai en off, puis je vous attendrai pour la suite. Là, on est dedans, là, non? On est dans la zone, là. Ok. Nous sommes dans la zone. Ah bah voilà. C'est peut-être par là. Quand tu joues à Breath of the Wild et qu'après tu enchaînes un jeu où tu peux pas escalader. Les transitions sont parfois compliquées, ouais. C'est comme quand j'ai enchaîné Dora et Elden Ring. Sous le désert. La créature est à la nature. Disons que c'était différent les deux jeux, quoi. Je crois. Nous la trouverons si nous avons. À peine. Quel est cet endroit? Selon toute vraisemblance, un refuge des elfes noirs. L'un des derniers depuis qu'ils ont été bannis du temple. Parfait. Les cavernes. Petite mise en scène là. Ça sent le fight. Ça sent le gros fight. Oh shit! Oh non, 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 pas eux, pitié! Ah, c'est bon. C'était peut-être pas les mêmes que tout à l'heure. Ah, oh, j'adore ce finish. Il y a de la vie là-dedans, hein. C'est pas négligé ça. Hein. What? Ah oui, ok. Oh, attention. Attention, messieurs, dames, attention. Concentration. C'est très bien, very good. Non, ça va, en vrai, t'inquiète. Ça va? Home run. Toujours de l'argent, plus d'argent. Putain, on a v'là la thune. Faut vraiment gérer les pierres de vie, là, quand t'es en mode difficile. Faut pas tout prendre comme un con si t'es full. Ça sent le fight. Non. Ah, ça touche un truc là apparemment. D'accord, j'ai compris l'idée. Oh shit! C'est fort hein. Oh là là, elle l'invoque. Il faut la tuer. Merde. C'est elle qui invoque là. Brise garde.
finish est trop classe. Ok, là on a bien géré là. La hachette magique. Ils nous ont attaqués. La dernière fois qu'on est venu à Alfheim, peut-on vraiment leur en vouloir ? Il a pas tort là. On va quand même chez les gens. On les défonce. Bon, c'est pas très gentil, Kratos, on va pas se le cacher. C'est pas très convivial quand même. Comme accueil, on fait mieux. Ah, là j'ai vu du bleu là. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je regarde. Ah, attendez, ça touche un truc là. C'est de la merde. C'est de la merde. Comment on va les choper Qu'est-ce qui pourrait faire que vous fassiez toucher tous les trois en même temps? Là est la question, messieurs dames. Bon ok, alors là, ça sert à rien du tout. Peut-être que d'en haut, je verrai un peu mieux le délire. Passe avant moi, je te dirai rien comme d'hab. Chiant. Est-ce qu'en haut, il y a moyen de voir un peu plus en détail le délire? Ah bah non, c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. Je pensais qu'il fallait vraiment se faire chier à faire ricocher la hache de tous les côtés et... Je suis un peu déçu là. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu un truc. Qu'est-ce? Ah, c'est les trucs qui rentrent dans le sol, non? Ah oui. Il veut pas sortir? Oh là là, et... Hey. Waouh. La portée du truc, faut vraiment que je sois ultra loin pour qu'il se découvre. Ah ouais, et même là, il se découvre pas? Ah oui, non mais là... Il faut juste pas être sur le même sol que lui, en fait. Faut que je monte. Je vais monter. Ah ouais, j'ai déjà fait un texte sur God of War. Celui de 2018. Tout dépend du lecteur. Il était incroyable, une des meilleures vidéos de tous les temps, évidemment, à n'en point douter. Loul. Bon, à mon avis, le mec. Ouais, il faut pas être sur le même sol que lui en fait. Alors, on a l'idée. Genre, je le touche pas, là. Ah si, voilà. Ah, je l'ai pas eu? Bah... Monsieur l'arbitre, vous foutez de ma gueule? Il est en plein dedans! Quoi? Non, t'es pas censé passer l'énigme comme ça, ça ne marche pas... Oh putain... Ah ouais, non, là par contre, c'est de la triche. Peut-être qu'il me prend trop la tête, faut peut-être le toucher d'ici. Ouais, bon. Comme d'habitude, le Saven qui cherche plus compliqué que ce qu'il faut faire. Par contre, ça reste quand même incohérent qu'on l'ait pas touché, alors que c'était en plein dedans. Bon. Je ne sais pas. Merci SimSim pour le 6e mois. Et donc quoi? La triple carotte. Une demi-année. Hourra, c'est beau. Dire que bientôt il y aura des mecs qui auront la quadra carotte, quoi. Ou la quadri, je sais pas encore comment l'appeler celle-là. Oh là 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 là, encore des trucs de cloche, au secours. Oh, au secours. Au secours, au secours, au secours. Non, non. Dans le titre, ça dit non, oui. Dans le titre, il y a écrit prochain tech, non. Parce qu'effectivement, le prochain texte, c'est pas God of War. Mais il y aura sûrement un test en carton sur God of War. Mais le prochain, je vous confirme que c'est autre chose. Que je voulais faire depuis mes débuts. D'ailleurs.
Une série que je voulais aborder depuis mes débuts. Ça faisait partie de ces séries que je voulais aborder depuis mes débuts, comme Sonic ou Dark Souls, Resident Evil. Donc ça me fera bien plaisir de sortir enfin un tech dessus. Ce n'est pas toujours comme ça. Certains animaux sont juste... Sur Peppa Pig. Oh là 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 là, je l'ai dit sans faire exprès, putain, mon mauvais. Oh le lapsus, je vous ai révélé c'était quoi le prochain tech. Aïe 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 aïe. Pourquoi cette question? Je suis curieux. Vraiment? J'éprouve parfois de la curiosité. Mario Bros. Oui. J'avais fait de tech sur Mario. Ça sera une première. Et non mais Pikmin, on a déjà fait Pikmin. Ça me détruit quand les gens me demandent de faire des techs sur des jeux que j'ai déjà fait. Qu'est-ce que ça vous coûte de taper test en carton plus nom du jeu random? Ah, je peux pas lancer ma hache là? Ah si, ok d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, je me suis dit what? Ah non, attendez. Ça rigole plus. Ok, j'ai pas le meilleur des angles. Oh non, pas ces petites saloperies! Oh là 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 là! Oh, what les dégâts! En vrai, ce petit salopion va exploser! Est-ce que je me suis pris dans le cul? Catrius, toujours aussi utile que la bite d'un pape. Mais c'est vrai que moi j'ai jamais eu d'objectif quantitatif en mode ouais, il me faut tel nombre d'abonnés, nombre de vues au bout de tel mois, parce que si tu l'as pas déjà, c'est malsain de se dire ça. Et si tu les as pas, c'est décourageant et ça va se ressentir du coup que tu es découragé dans la qualité de tes vidéos, dans ta productivité et ta créativité. Moi, ça a toujours été des objectifs du style, ouais, j'aimerais bien sortir tel test en carton, enfin, sur tel jeu. Et enfin, du coup, je vais faire un tech sur cette série. Bon, ok, on a deux cloches, mais bon. Ça n'arrange pas mes affaires. Où est-ce qu'elle est la troisième cloche? Ils m'ont défoncé la gueule, ces petites saloperies, là. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il te prend? Mais ça va pas la tête? Prochain tech, les Sims. Non. Pourtant, il y aurait moyen. Il y aurait pas mal de blagues à faire. Bon, 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 bon. Où est la dernière cloche? Sur FIFA, bien évidemment. J'ai beaucoup d'amour pour la série FIFA. Je l'aime beaucoup. Bon, bah écoutez, je vais continuer. Peut-être que la cloche est plus loin. À moins que je vois mal. Ce qui peut être bien possible. En tout cas, il y en a une ici. Mais je crois que la deuxième n'est pas dans le coin. Elle n'est pas dans cette partie du level. Ah mais attendez, il y a un truc là-bas là. Boy. Non, pas de cloche ici non plus. Bon. Boy. Avoir un Sims 7 low cost, ça donne envie. Ouais, non, mais il y aurait moyen hein, de faire plein de blagues sur les Sims. En plus, hein. Il y aurait vraiment moyen. Mais ce n'est pas les Sims. Pourquoi pas un jour? Bon, bah, je vais continuer. Hein. Peut-être que la cloche est plus loin. Mais de toute façon, j'ai pas le choix, attendez. Parce que là, j'ai un angle de merde.
Ouais, parce que je peux pas... Peut-être depuis en bas. Ouais. Ok, mais ça ne m'aide pas pour la cloche, mon bonhomme. Ça me ferait chier qu'elle soit dans le coin et que je passe le coffre. Tu me diras, je compte revenir en off de toute façon pour explorer, mais... Bon. Sur Fortnite. Je vous l'avais déjà dit de toute façon, le fameux tech de Fortnite. Sur mon test en carton de Shadow of the Colossus, j'avais fait une intro en mode tech de Fortnite. Et il y avait plein de gens qui étaient en mode « Ah putain, tu m'as fait peur, hein !» Ah, j'ai vraiment cru que c'était un tech de Fortnite. J'étais prêt à me désabonner, putain. Ah, ça m'aurait trop fait chier que Dark Warrior de 90 se désabonne de moi, putain, les gars. Il y avait un mec qui était en mode « Ouah, le jour où Savon, il sort un tech sur Fortnite, ça sera vraiment la fin de YouTube. » En mode... En mode ça dépend de moi, tu sais. En mode j'ai de la notoriété. Ah, y'en a qui sont un peu... qui aggravent la situation. Pour nous deux. Ah mais un texte sur Fortnite ça marcherait je pense en plus. Hein. J'essaie de comprendre pourquoi tu veux aider un animal dont tu ne sais rien. N'est-ce pas ce que tu souhaites ? Mais le jeu ne m'inspire pas pour le moment. Bien sûr. Ce qui me surprend c'est que tu le souhaites aussi. Non. Le jeu ne m'inspire pas. J'ai rien contre, je sais qu'il est de bon ton de dire que c'est de la merde. Mais moi j'irai pas jusque là, mais simplement j'ai joué une semaine. C'était sympa, mais j'ai joué une semaine. Voilà, après je suis passé à autre chose. Pour moi le meilleur jeu, multi-compétitif en ce moment, ça reste pour le moment LOL. N'en déplaise à certains. Pour moi, hein, d'après moi. Et tu vois un tech de LOL, ça par contre c'est prévu. Beaucoup plus inspiré par LOL que Fortnite si tu veux mon avis. Chacun ses goûts, totalement. Mais c'est vrai que Fortnite, moi, bon, c'est pas trop mon délire. Mais je peux comprendre que les gens apprécient. Encore une fois, je sais que c'est la mode de dire que c'est de la merde, mais moi j'irai pas jusque là. J'irai pas jusque là. Oula, alors attends, oulala, alors là, mais ça sent le bordel là en bas. Ça sent tellement la merde là-bas. Ça sent tellement la merde. Ah non, mais je peux pas aller là-bas en fait. Ah mais non, mais je suis con. Allô ? Ouais, le tech de Koh-Lanta, j'y avais pensé aussi, ouais. Ah, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent, surtout cette année. Il faut faire des choix. Après, moi, vous me connaissez, hein, ça me dérange pas de faire des jeux qui sont sortis depuis des années, bien plus tard. Vous savez que j'ai même pas vu ce que j'ai eu dans le coffre. Ah si, j'ai eu une pomme. J'ai eu un fruit Wompa, c'est vrai. Bon, ça sent la merde, hein. Attends, on remonte mon ref, on se prépare. Parce que là, ça sent la grosse mémerde. Ouais non mais j'aimerais bien mec mais... Je vois rien frère. Ok c'est bon. Oh là là. Qu'est-ce que je voulais? Sur ta droite. Merde. Ah, oh, je pensais que je l'avais eu.
Ça m'a eu ? Oh non. Dommage. Ah c'est dur hein, ces elfes là qui te niquent ta vision, c'est compliqué. C'est dommage, j'en étais à deux doigts de les battre. J'essaye de bloquer Atreus, mais s'il te plaît ferme ta gueule. Esquive. Oh dommage, je l'avais. J'avais le R3, je suis deg. Dommage. J'avais le R3, on l'avait. C'est dommage. Allez, on reteste. Ça, tu m'en diras des nouvelles. J'essaye frère, j'essaye Mimir. Personne. Faut que j'attende que ce buff passe. Oh le bug! Il m'a pas frappé! What? Je comprends rien. Je ne comprends pas, monsieur l'arbitre, je ne comprends pas. Toi, tu m'as bien saoulé, toi. Hop. Tu mérites. Adieu. Vous êtes sûr que ce que nous faisons est juste ? Salut Rift Wizard. Nous partirons si tu souhaites abandonner cette créature. Non, je ne veux pas l'abandonner. Mais si nous devons tuer tout un tas d'elfes noirs pour la trouver ? Je crois me souvenir d'un jeune garçon qui n'aurait pas hésité à affronter une armée de drogards pour sauver un animal blessé. Mais ce ne sont pas des drogards. Ce sont des elfes. Il a pas tort. Je veux éviter que nous répétions les mêmes erreurs. En nous mêlant de ce qui ne nous regarde pas. Elle a plus 10 ans, hein. Il en a 14, ça rigole plus. Elle, votre défi, bonne difficulté, hein. Ça rigole plus. Super. Encore bloqué, pour changer. Bon alors, qu'est-ce qu'on a ici? Analysons. Ah. Ah, désolé, désolé mon frère. Dans la gueule. Salut Etchi. Il s'est tout pris dans la gueule le bonhomme. Est-ce que ça sent encore le fight? Bon, j'ai ma rage spartiate. Ça nous aidera bien, je pense. Oh non. Oh non. Pitié pas eux. Est-ce que la mitée va exploser? Attention!
pas ces petites saloperies. Oh là là, ça sent le bordel. Ça sent le gros bordel. Ça sent le bordel. Ah. Bon. Si tu veux. Ça n'a absolument rien fait. Est-ce que je peux monter ou avoir un meilleur angle? Ça sent la bonne énigme là. Ça sent la bonne énigme. C'est moi qui te le dis. Ah. Attendez, ça rigole plus là. Ok. Ça c'est bien. What a man. Salut Margot. Margot n'a toujours pas son badge VIP. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Là, regarde. Cette bombe devrait nous aider. Ah. Ah, j'aurais peut-être pas dû le bouger en fait. Peut-être fait une connerie. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est marrant parce que moi j'aurais dit que c'était justement de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a ici? Non, non, je pense que je dois me servir de ça, je l'avais mis au bon endroit. Je vais le retourner. Là, on peut rien faire de cet angle-là. Donc je vais continuer à le tourner. Allez. Ok. Il se fait un peu vieux. Ouais, non, à mon avis, c'est pas ça. Peut-être d'un autre angle. Je ne dis jamais non à un badge. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a deux Margot 22. Il y a exactement deux Margot 22. Ça me fait penser à l'histoire de Kenimaru. On lui avait donné le badge VIP. Enfin, on pensait qu'on lui avait donné le badge VIP. Et on l'avait donné à Kenimaru 2N. Alors que mon pote Kenimaru, que vous avez vu dans ma vidéo d'Among Us d'ailleurs, bah lui c'est 3N sur Twitch. Mais celui qui casse les couilles aussi, d'habitude il est à 2N. Il fait chier. Bon bah écoutez, je vais continuer à le faire tourner, puisqu'apparemment c'est pas ça. Ouais, ouais, il y a deux Margot 22. Si ça c'est pas triste. C'est quand même un sacré bordel. Ouais, non, là, à mon avis, je suis obligé du coup, de toute façon de trouver la solution là-bas. Hein. Ah, oh. Je peux lancer ma hache ici? Qu'elle est. Ah, attendez. Ah oui, d'accord, ok. Non, je l'ai pas d'ici. Ah. Ah. Ok, et peut-être que d'ici c'est bon, non? Je sais pas. Non, ça sent la merde. Oh merde, j'étais persuadé que c'était ça. Peut-être que si ça rebondit là. Non, c'est pas ça. Je pense que j'avais la bonne idée en plus, hein. C'est ça le pire. J'ai la bonne idée là. Ça, à mon avis, faut s'en servir de ça. Prochain stream avec les potes.
Je sais pas, faudrait que je refasse en vrai. Sur LOL, Fall Guys ou Mario Party. Je pensais à Mario Party moi justement, avec Pilo, Axel et Jojo. Non mais à mon avis c'est ça la solution. Hein. Ah non, c'est trop. Je peux pas le déplacer cette merde par hasard. Ouais, bon. Ça se trouve, comme d'habitude, c'est beaucoup plus simple que ce que je suis en train de chercher comme un con. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a là-bas déjà? Mais non, à mon avis, c'est... je cherche trop compliqué là. Pourquoi je peux pas... Ah non, il tourne trop en fait le truc. Il tourne trop. Tu tournes trop, mon mignon. Tu tournes beaucoup trop. Je ne veux pas que tu ailles aussi à droite en fait. Ça me pose souci. Ouais, bah les imitations de Wario, c'est masterclass. Hein. Non, bah écoutez. Ah, attendez. Ça nous aidera sûrement, ça. Quoi que nous fassions à Alfheim, finit toujours par. Nous sommes venus aider la créature que tu as entendue. Je sais bien. Mais d'habitude, c'est moi qui dois insister quand il y a un animal à sauver. Ça va changer cette fois. Est-ce que tu me caches quelque chose? Non. D'accord. Ça a le mérite d'être clair. Non. Toujours les bonnes discussions avec Kratos. Tu touches rien là, mon frérot? Non, rien du tout. Ah, si, attendez. Merci Atreus de fermer ta gueule. Enfin, on peut un minimum chercher les énigmes. Atreus, get Daronhead. Get Daronhead. Ok. Bon. On est toujours bloqué ici. Je regarde selon l'angle ce qu'on touche. Non. Je peux avoir des spaghettis bolognaises? Non. Non, tu fermes ta gueule. Bon, clairement, ça, il faut servir de ça. Hein. C'est du bien un peu une énigme où on cherche et y'a pas Atreus qui ouvre sa gueule. Très bien. Ah, est-ce que c'est possible de le toucher d'ici? Pardon? Oh là 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 là, mon petit bonhomme! Ouais, alors on a brisé un truc là-bas. Je vais peut-être essayer d'y retourner. Tu peux m'acheter des skins Fortnite? Non. Tu peux m'abonner 3 mois à Dofus pour que j'ai le familier El Scarador? Non. Non, tu te tais. Alors, alors... Ok. Bon, on dirait que par royaume, il y a une grosse quête annexe. On a vu la quête annexe de la baleine. Ah bah non, on a vu deux grosses quêtes annexes. On a vu la quête de la baleine. Ah bah non. On a eu la quête de la baleine et on a eu la quête des trois tours de Mimir.
Je crois que c'était deux quêtes différentes. Les bons packs Dofus, abonnement, plus skin, plus familier. Tout à fait. Ah mais non, il y a une seule Margot 22, mais en fait, Margot, je sais pas pourquoi, des fois, tu... T'as la carotte, des fois non. Des fois, t'as le logo Prime Gaming, des fois non. Et à un moment, j'avais essayé de te mettre VIP, et ça a mis VIP une autre Margot 22. Bonjour, messieurs. Oh, il est niveau 3, lui. Oh, il était pas content. Bon, par contre, j'ai plus de vie. Est-ce que c'est possible de me donner une petite graine de vie, là? S'il vous plaît. Elle a la patate, j'espère, aussi. Par le spectre de la grande Gethion, je n'avais jamais vu d'Avgoufa de cette taille auparavant. C'est un Avgoufa, très bien. Ligue des prochains Pokémon. C'est le chant des sables. D'habitude, elle ne chante pas cela sous terre. C'est ce qui a provoqué la tempête ? Oui, à en juger par la quantité de substance elfique qui la retient, elle doit être ici depuis des dizaines d'hivers. Ne t'en fais pas, on va te sortir de là, Souper. Souper ? Comment l'as-tu appelé ? Bah... Comme le dernier poulpe qu'on a vu s'appelait Dinner, je... Oh, non. C'est bien gentil de t'essayer à l'humour, mais il s'agit là d'un épouvantable jeu de mots, petit frère. Embarrassant, même. Tant oh on peut pas marcher à tous les coups. Oh my god. Le stop que tu t'es pris. Ah, t'es pas drôle, Atreus, ferme ta gueule. Oh, Mimir, il lui a mis un stop. C'était de l'humour. Ça n'intéresse personne. Arrête. On va voir un meilleur angle. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Laisse-moi chercher l'énigme tout seul. Ta gueule. J'ai pas compris. Je pense qu'Atreus n'a pas compris lui-même. Si même Mimir dit que c'est de la merde. Ah merde. Bien joué. Bon, il faut se séparer de ces rochers. Très bien. Comment on fait? Là-bas, je vois qu'il y en a un là. Comment on va faire pour détruire les rochers? Ah bah, nous avons un meilleur angle. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est juste pour descendre. Je croyais qu'il y avait un objet. Et c'était les débris de ce qu'on vient de détruire. Hé, grande salope! C'était gratuit. C'était gratuit. Alors oui, bon, bah on a détruit ça, ouais, bon, ok. Est-ce que c'est censé nous aider? C'est censé nous aider. Oui, comme ça. Non mais, on la libère, mais ça se trouve, elle nous veut du mal, hein. Vous êtes bien gentil, vous, mais bon, voilà, quoi. Ça sent le boss. La substance elfique a presque disparu. Libérons-la depuis la surface. Ouais. Ou alors ça va faire, tu sais, comme dans Zelda The Wind Waker. Valou, il avait un problème. Et bah le problème, c'était un boss qui était dans la salle juste en dessous. Peut-être que là, le boss, il va être juste au-dessus. Ça ne rigole plus. Plagiat Zelda The Wind Waker, j'en ai rien à foutre. Pourquoi l'ont-ils piégé là-dessous? Les Avgoufa ayant tendance à creuser le sol, je ne serais pas si con à tenir les elfes noirs pour responsables. Elle est retenue par leur substance. La substance elfique n'appartient pas aux elfes noirs. Pas plus que la lumière aux elfes blancs. Ce n'est qu'une ressource naturelle d'Alfheim parmi d'autres, que les ancêtres des elfes utilisaient déjà en leur temps. Et si les elfes blancs semblent enclins à chasser la substance de leur territoire, les elfes noirs en font au contraire bon usage dans les terres brûlées. Alors, en éliminant toute cette substance... Est-ce qu'on fait du mal aux elfes noirs? Préfères-tu l'abandonner à son sort? On se mêle vraiment de ce qui ne nous regarde pas. Hein. Veuillez pardonner mon égard, j'ai dû m'éclipser un instant car ma mère m'a demandé de sortir la poubelle. C'est très très grave, Zakaria. C'est très 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 grave. On me le banne. On me le banne. Ah,
Oula. Attendez, je rate rien là. Bon, allez, ça sent le boss. Je vais garder ma rage partiate au cas où. Ah, ils m'ont redonné la pierre de résurrection. Même si je suis mort, ok. Ils me l'ont redonné. Très bien. Un peu fumé ça. Hein. Je prends. Qu'on lui coupe la tête. Bloc murmurant. Très bien. Alors, protection du torse. Lanière d'épaule radieuse, niveau 4. Chance modérée d'obtenir une grâce runique à chaque esquive in extremis. Ah ouais, non, mais ça c'est trop important ça. Saisir un ennemi étourdi, confère un regain de santé. Ça c'est beaucoup trop important, je m'en sers trop. Ah ouais, mais là il a l'air vraiment fumé ce truc. Vous avez vu? Ça me donne 4 stats. Bon, par contre, on perd en vie. Hein. Ouais, je vais garder ça pour le moment. Je vais garder ça. Super l'énigme. Attends, je regarde si j'ai rien. Non, c'est bon. Ouais, et du coup, on doit aller où là? Je vais suivre la boussole, je suppose. Là-bas? Ok. Ça sent le boss. Imaginez. Je rigole, hein. Mais imaginez, on se tape le boss des elfes noirs qu'on avait eu dans 2000. Enfin, dans God of War 2018. C'est là! D'ici, nous pouvons libérer l'Afgoufa. Ça? Mais de quoi il parle? Il a résisté, genre, dans God of War 2018, et là il est de retour. Pour nous jouer un mauvais tour. Je rigole, hein, mais imaginez quand même, je rigole. Salut, j'adore tes vidéos. Merci. Est-ce qu'il y en a une sur God of War Ragnarok qui arrive? Oui. Je pense. Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Ah, fallait rester appuyé. Enfin non, il fallait marteler, justement, et moi je suis resté appuyé. Quel vol! C'est une Afgoufa. Elle a l'air bien plus heureuse comme ça. Hé, la tempête s'est calmée. Tout simplement, oui. Inouï. Peut-être allons-nous enfin nous attirer les bonnes grâces des elfes noirs. Écoute, père, merci de nous avoir fait venir ici. Et tu n'as pas besoin de faire tout ça pour m'empêcher de penser au Ragnarok, d'accord? Ce n'était pas une distraction. Non? Alors pourquoi sommes-nous ici? N'as-tu jamais envisagé... Il veut simplement passer du temps avec toi, petit, tant qu'il le peut. Vraiment? Nous ne savons pas ce qui nous attend. Mais si le Ragnarok est proche, je veux profiter du temps qu'il nous reste. Je ne sais pas quoi dire. Merci de nous avoir fait venir ici. Je suis content que nous l'ayons fait. Moi aussi. Bon! Bordel de merde! C'est le poisson rêve. Le poisson rêve. Bon, on va pouvoir explorer ce qu'on voulait voir, mais qui était bloqué par les dunes de sable. C'était où déjà? Ah ouais, alors il y a un truc ici. Qu'est-ce qu'on a ici déjà? Ah, j'ai pas mage depuis tout à l'heure. Oui. Et oh, et du coup on la voit voler, ça c'est stylé par contre. On la voit voler dans le monde. Tout à l'heure, je me bats pour ne pas regarder l'écran. Bah, Mao, tu vas pas jouer à God of War de toute façon. Non, mais les trous. Ah oui, les trous, effectivement. La phobie des trous dans le visage. Non, mais où tu vois des trous? Vraie question. Tu parlais desquels, là?
Ah, tu parles dans le décor, là? Ça? Vraie question, hein. C'est pas pour te faire chier, mais... Ah ouais, donc ça, t'as vraiment la phobie de ça, quoi. Ok. Moi, j'ai la phobie des ballerines. Je sais plus comment ça s'appelle, la phobie des trous dans le visage. Tu me l'avais dit, j'ai oublié. C'est quoi ça, détonation fatale? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Les ennemis tués d'une flèche runique explosent, infligeant des dégâts modérés autour d'eux. Tu joues encore, toi? Bah ouais, putain, on dirait... Si on dirait limite, tu te fais engueuler, quoi. Eh, ça fait plus de 3 heures que tu joues, Savon, tu arrêtes maintenant, ça suffit. Non, pas les ballerines, mon traumatisme. Une bonne partie du sable s'est dissipée, mais il y a une autre tempête par là-bas. Est-ce que vous pensez qu'il y a... Une autre Avgoufa. Eh non, c'est... La compagnie pour notre cher Souper. Tu vois, je savais que tu aimerais ce nom. Mais tu ne crois pas qu'on devrait revenir à... Finalement, oublie ça. Allons-y. En avant. Ouais, laisse-moi jouer toi aussi, là. Il est fou, lui. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Il y a quoi avec les ballerines? Il y a les défenseurs. Encore ces fichus drogues. Oh là 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 là, ça chie, Boulidana. Ah ouais, oh les dégâts! Damn, les dégâts! Oh là là, mais qu'est-ce qui m'a touché? What? Ah mais c'est parce que je suis sur du feu. Mais qu'est-ce que... Il y a de la vie là-bas. Non. Ah, j'ai cru voir de la vie. Ça va être compliqué, hein. Ouais, mais... Si après que tu contres, il attaque tout de suite après, c'est compliqué, quoi. Ah oui, il y avait de la vie là-bas, effectivement, ouais. Merde. Ils ont pas l'air très gentils, les méchants. Ouais, c'est un peu des gros bâtards. Bon, par contre, ils sont forts, eux, hein. Bon, allez. Encore, c'est... Faut que je m'occupe des autres gars. Oh mais les dégâts qu'ils font par contre c'est nawak, hein. Faut que je m'occupe des petits là. Ok, on a récupéré la vie. Ouais, en fait c'est chiant, mais quand je contre, elle réattaque tout de suite après, donc je vais arrêter de contrer. Ah, elle explose en fait, ok. Attention. Bon, en fait, elle explose comme ça. Bon, en fait, faut que je la touche de loin quand elle est en... quand elle a cet état là. Ah
Oh, j'ai dû contrer deux fois là. Ouais. Je sais mon ref, t'inquiète. Oh. Ouais, c'est ça là, cet effet là, c'est ça qui me tuait tout à l'heure en fait. Ah, c'est trop chiant. J'ai le réflexe de parer et faut pas que je pars en fait parce qu'elle attaque tout de suite après. Ça te nique ton contre. Cette Frogger, qu'y a-t-il ? Elle m'évoque l'histoire d'une ville impératrice, trop furieuse pour mourir. Nous verrons. Ok. Amélioration d'armes, très bien. Merci pour les GG. Bon, non, mais en fait, je lui tapais dessus et en fait, quand tu lui tapais dessus, elle explosait. Donc, il fallait la toucher de loin. Bon, je crois que j'ai à peu près tout exploré, non ? On va pouvoir continuer. Sauf si je me fais encore engueuler parce que je suis encore en train de jouer. Il est dimanche soir. Tu n'as pas fait tes devoirs encore ? Salut Charon. Ouais, le mode défi fait mal, ouais, mais c'est cool. Bonne difficulté. Je m'en plains pas. Non, non, j'étudie pas encore. Je rigolais. Mes études, elles sont finies. Quand est-ce que j'ai fini mes études ? Il y a 4 ans, je crois, à peu près, ouais. La fac. Ouais, je pense qu'on a à peu près tout exploré, là. Ouais, coffre des Nornes 1 sur 1, coffre légendaire 1 sur 1, connaissance 1 sur 1. Bon, il y a sûrement d'autres trucs encore, mais bon. Il rigole quand même, ouais. C'était par rapport à ce que me disait un viewer tout à l'heure. Tu joues encore ? Tu oses encore jouer ? Tu n'as pas le droit ? Bon, je vais continuer un petit peu la quête principale. On a pas mal exploré ici, c'était cool. Bon, pas l'environnement forcément le plus inspiré niveau décor, mais c'était cool. Scorie pure de Svartalfheim ? Donne-les-moi ! Je ne pensais pas te trouver ici, Sindri. Tu supportes ce sable ? Oh, tu ne crois pas si bien dire. Mais Brock étant banni d'Alfheim, c'est à moi de m'occuper de toi et de ton équipement. Pourquoi Brock a été banni d'Alfheim ? Oh, c'est-à-dire que... je sais pas si... Eh bien, sais-tu ce qu'est une Nokken juteuse ? Non. Grâce à Brock, les elfes le savent. C'est quoi une Nokken ? Non. Ok. Avons-nous d'autres choses à nous dire ? Mieux vaut ne pas savoir la suite. Le talent des elfes est souvent sous-estimé. Salut Savon, tu peux résumer l'histoire ? Chauve, barbu, sénile, énervé... Tape dans mes champs, avec son fils, en pré-adolescence, crise de préadolescence. Gros chauve tout tapé, gros chauve énervé, car gros chauve a les cendres de sa fille et de son ex sur sa peau. Gros chauve pas content. Voilà. N'allez pas voir toutes ces vidéos là de 20 minutes qui vous résument toute la série de God of War. Venez ici, venez là, qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Oh merde. Merci, merci. Beau résumé. Merci à vous. Je me suis entraîné. Je savais qu'on allait me poser cette question un jour. Ça fait 10 ans que je le prépare. C'était compliqué. La pression était grande. Mais elle a été surpassée. Attends, mais... Oui, c'est bien ce qui me semblait. Il y avait une porte de téléportation juste... au niveau de Sindri. Bon allez, retour chez les nains. Quel est ton vrai prénom ? Tu peux m'appeler Jean si tu veux. Ou Gérard.
c'est vous qui voyez. Ou XX d'Aquarior du 70, XX. J'espère que Thier a eu le temps de retrouver une certaine stabilité. Va pour Gérard, let's go. J'ai parfois pris à percevoir le dieu de la guerre qui est déjà mis. Il n'y a rien de mal à s'opposer aux guerres, ni aux prophéties. Je peux le comprendre. Ce temps de chargement me détruit. Je suis sûr de ce que les géants voulaient dire. Est-ce que tout le monde a oublié qu'ils avaient prédit tout notre voyage vers Jotunheim? Si les géants ont vu Tyr prendre la tête d'une armée au Ragnarok, alors je les crois. Encore faut-il. Yo Jean, yo les gens. Salut Dimsi. Ah. Parfait. Je vous laisse sur ce fabuleux écureuil. Je vais allumer la lumière et aller me chercher de l'eau. J'arrive. Deux petites minutes.